Au menu de ton Automoto Express aujourd'hui, un Sébastien Ogier record à Monte-Carlo, sacrée bataille à venir aux 24 heures de Daytona, un très bel hommage à Ken Block et la 208 marche sur l'Europe. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Sébastien Ogier remporte le Monte-Carlo. L'octuple champion du monde des rallyes Sébastien Ogier a remporté ce dimanche le rallye Monte-Carlo. Et cette victoire est historique. Il dépasse Sébastien Loeb et ses 8 succès et devient le pilote le plus titré à Monte-Carlo. Cette année, il a outrageusement dominé le rallye monégasque au volant de sa Toyota GR Yaris Rally 1 hybride en remportant pas moins de 9 spéciales sur 18. Costaud. Au classement général, il termine devant son coéquipier et champion du monde en titre, Kelle Roventura, et le Belge Thierry Neuville sur sa Hyundai. Un très beau succès qui augure une belle saison pour Ogier, même si ses chances de récupérer la couronne de champion du monde sont infimes, puisqu'il ne va disputer, comme l'an dernier, qu'une partie de la saison. Pour en finir sur ce rallye de Monte-Carlo, le deuxième Français engagé en WRC, Pierre-Louis Loubet, a malheureusement dû abandonner après un contact avec une barrière qui a fortement endommagé sa Ford. Sport auto toujours. Le week-end prochain aura lieu les 24 heures de Daytona. Un événement majeur qui a en réalité déjà commencé dès ce dimanche avec la séance de qualification qui a tenu toutes ses promesses. Dans la catégorie reine, la classe Grand Touring Prototype, la pole position revient à l'Acura numéro 60, piloté notamment par le français Simon Pagenaud, mais le suspense est total puisque moins d'une seconde sépare l'Acura de tous les concurrents en lice. Juste derrière, on retrouve une Porsche 963 du team Penske et la deuxième Acura. A noter la sixième place dans sa catégorie de Romain Grosjean pour ses débuts avec Lamborghini en GTD Pro, et on n'oublie pas la française Doriane Pin qui termine 15e en GTD au volant d'une Lamborghini Huracan GT3 Evo 2. C'est le sujet de la question du jour. Qui vois-tu en grand gagnant de ces 24 heures de Daytona? J'attends ta réponse dans les commentaires. Hoonigan rend hommage à Ken Block. 3 semaines après le décès de Ken Block, les membres de sa structure Hoonigan ont souhaité lui rendre hommage. Toute l'année, des vidéos inédites tournées avant son tragique accident seront diffusées pour faire perdurer la mémoire de cet immense champion et nous rappeler qui était Ken Block. Un événement public à Los Angeles devrait également voir le jour en hommage au roi du Gymkhana, mais ce n'est pas tout. Un organisme nommé Institut 43 va être créé avec pour but d'aider les jeunes talents qui partagent la philosophie de Ken Block pour trouver des sponsors et des soutiens. On souhaite à Hoonigan bien du courage et on les remercie d'entretenir la légende du grand Ken Block. La patronne, c'est la Peugeot 208. En 2022, la Peugeot 208 est le véhicule le plus vendu en Europe. Et c'est un véritable séisme dans le monde de l'automobile. Pourquoi ? Cela faisait 14 ans que la Volkswagen Golf régnait sur l'Europe et remportait chaque année ce titre honorifique de véhicule le plus vendu. Rendez-vous compte, depuis 2008, personne n'avait pu la détrôner avant cette année et l'avènement de la Peugeot 208. Et surprise encore plus grosse, en 2022, la Golf n'est même pas sur le podium. La compacte allemande n'est que 4e avec plus de 170 000 exemplaires vendus. Quelle voiture occupe donc le podium? À la 2e place, on retrouve la Dacia Sandero avec plus de 190 000 exemplaires et à la 3e, le Volkswagen T-Roc avec près de 175 000 unités écoulées. C'est l'heure de revenir sur la question de jeudi. Je te demandais quelle voiture proposée aux enchères à Paris aimerais-tu acheter? Les anciennes ont la cote. Vous êtes très nombreux à opter pour la Peugeot 405 T16 et la Renault R5 Turbo. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez, ciao!